Allô? Allô? Allô, allô? Mais ça marche? Bon. Voilà sur 4 journées. Non. Si, vas-y. Alors. J'aime bien lui. J'aime bien lui aussi, mais je préfère lui quand même. Ouais, j'ai que les deux premiers, on est d'accord. Ah, c'est quoi ça? A voir si j'ai mon 6 extraterrestres de Rastifleur à bord du croiseur. On va prendre le B. Parce qu'il y a beaucoup de lasers, donc ça demande pas de munitions, ça demande pas grand chose. Alors c'est qui notre pilote? Ce sera le navire du gaming. Squeezie? Alors non, pas du gaming, chez du. Christophe S. Eh ben alors. Et voilà. Là on a la Brandium Team. Dream Team. Contenu additionnel. Oui. Renommé. Rouge queue. Ça sera la bonne époque. Voilà. Entrée. Ok. Bon, ça marche, tout est bon. Ben c'est parti. Facile. Déplacez votre rame. Ok. Bon, on va commencer. Voilà. Alors bonjour, quel plaisir de vous voir. Cela fait des semaines que nous dérivons dans le vide à cause de carburant. Nous étions terrifiés que les rebelles et les pirates. Ou les rebelles. Vas-y, vas-y. Oh! Pas un peu trop fort là. Bien là. Je veux pas que ça soit trop fort. Ah, c'est bien. Ouais, 4 de carburant pour 28 scrap. 28 ferrailles, c'est pas mal. Ah, acheter un esclave et libérer pour qu'il attaque ses pourritures d'esclavage. Eh bah, le choix est vite fait, hein. On a minute. Ah. On va inverser ces deux. Attendez. C'est-à-dire tout l'équipage, retourner au poste, c'est entrer. Sauvegarder poste, c'est slash. Ok, slash. Et attendez. Option. Retourner au poste, c'est entrer. Donc c'est-à-dire si toi tu vas là et que je te fais une entrée. Ok. Mais non. Merde, mais je fais des bêtises moi en attendant. Accepté, merci. Ça c'est bien, toi va réveiller ça. Toi et toi, allez-y. Ok. Toi t'as pris des dégâts. Toi t'as pas pris de dégâts et toi t'as pas pris de dégâts. On répare l'eau 2. Putain, on commence genre très très bien là. Non? Ou c'est moi? On part sur une petite game. Ok, toi voilà. Donc, Daniel, tu vas ici. JDG, tu vas ici. Tiens, Manon, elle s'appelle. Je sais pas où c'est l'équipage. Ah. Ah, le vaisseau s'appelle plus la bonne époque maintenant. Toi, tu vas rester. Tu vas aller aux caméras, tu vois. Va aider, allez aider. Va être trop long là. Ouais, moi il nous a filé un gars, oh, je dis pas non. Hop, et un petit dernier. Alors, on va pas faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et Andy, tu vas ici.
Et là, slash. Donc si je vous envoie tous là, entrez. Mais merde! C'est pas slash? Regardez les postes. Ça sera L. Poste sauvegardé pour tous, hein. Poste, hop. Et donc si je fais entrer. Ok, c'est good. On va refermer les portes. Et on se tire. On est en facile, donc on a le temps. Chercher le vaisseau rebelle. Ok. Hop là. Pas touché, ils sont sur les réparations. Donc on a le temps. Putain, j'ai même pas préparé mes tirs à l'avance. On fout un dernier point quelque part et puis voilà, hein. Tiens, va ici. Et puis c'est good. Voilà. Je te remercie. On s'en fout des drones, faudrait qu'on ait des sous. Ok, on a déjà le parcours proposé. Je crois qu'il tire à peine avant moi. Si je dis pas de bêtises. Aïe. Voilà, prends ton coup. On a plus de Chine, mais ils en ont plus non plus. Ok, toi t'as pris cher. Pas du tout. Aïe. Ok, c'est good. Alors, on va rapidement. Ok. Toi, tu vas... Fini de réparer ça. Ah, fait chier, il doit réparer depuis le début. Toi, va... On va y arriver, hein. On connaît pas trop le jeu, mais on va y arriver. Oui, bien sûr. Entrez. J'ai l'impression d'avoir perdu un point quelque part. Ah oui. Hop là. Tout le monde est guéri. Bon. T'as 8 minutes à... Ça ville, comme on dit. Ah non, pas de boutique. Inspecter le champ de bataille. Ah, il y a une détresse. Envoyez vos hommes les aider, les araignées géantes, ça n'est pas une... Ah, j'ai peur d'en perdre un. Voilà. On passe à bon moment. Ok. Bon bah Antoine Daniel a quitté YouTube. C'est pas étonnant. Hein. Il a fait ses preuves. Oui, on attaque. Ok. C'est quand tu veux que tu tires. Oh, ça m'a fait peur. Ouais, il a tout pris dans la gueule, donc on va faire... Le temps que ça se répare. Puis voilà, c'est fini. Éviter qu'il fuit. Ah! Voilà, crève. Et donne mieux. Ah, puis la double récompense. Allez, on se tire. C'est du facile, donc c'est normal. Pourquoi la vidéo se fait si peu de gigas? Une fois que j'ai un toit, je vais voir ce qu'il en est. Essayez de communiquer avec apporter.
Non, mais les créatures sont de... continuent de se suffisamment pour partir. Faudrait que je lise quand même. Secteur suivant. Sous contrôle NJ, sous contrôle dans le temps avec que de la nébuleuse. Ah, on va aller chez les NJ, hein. Moi, les nébuleuses, c'est pas mon kiff. Bon. Allez, on va faire un tour à la boutique. Ok. Ok. Scanner à longue portée. Ok. On va acheter des seaux. Et puis voilà. Petit scanner à longue portée. Oh. T'abuses, gars. Bon, si t'as quelque chose à proposer. Laser Rafale 3. MDA. Puis il propose des gars. Ok. Enfin, on va améliorer la croix avec l'électricité. Non. Arrêtez, il y a eu trois boutiques qui. C'est quoi ce. Hein? Oh. On sert à notre scan. Récupérer le schéma de drone. Ok, on a un schéma de drone, ça fait plaisir. Oh. Ah mais il y a des détresses et des trucs partout. Tentez de libérer. Ah. Allez-y. Allons réparer ces portes. Ouais, je sais, j'ai le saut, mais on répare les portes d'abord. Ah ouais, mais j'ai pas verrouillé les places comme ça. C'est L. L, 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 L. Ok, c'est good. Il y a un autre truc de détresse ici. Bah, on prend ce détresse, puis on filoute. Ok, on va filouter après. Je vais pas les aider. Ah, 4. Non, 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 je sais pas. Je suis désolé, j'ai pas assez. J'aurais une quinzaine de carburant, je t'aurais pas dit non, mais là. Une arme flotte dans l'espace. Rayon anti-coque. Ok, je dis pas non. C'est étonnant, mais je dis pas non. Vous voyez, attendez, vous voyez arriver, vous voyant arriver, armé jusqu'aux dents, un vaisseau NG, vous aussi un message pour dire qu'il se rend. Objectif, sujet, enregistrement, motivé, survie, transfert, bien accepté. Alors, explique. Acceptez leur réédition. Quiche, quiche ou quiche. Ok. On verra ce qu'il y a autour. Continuez. Ah, détresse, on se tire. Détresse, on se tire. Cherchez le vaisseau. Ah. Tiens, va aider. Ah, on a pris cher. Je sais bien, mais. Ok, retourne à ton poste. On a le temps de faire ça et ça. Alors. 6 sauts pour 12 ferrailles, oui. Allez, on se tire. Ok. On a pris cher au niveau de la coque. Putain. On a réparateur du système. Puissance recharge, temps. Dégâts par salle touchée, dégâts x2 dans les salles sans système. Ce rayon particulier contre les sections de coque vide. Un rayon. Après, c'est une puissance de 2, donc ça, on en enlève 2 pour avoir le rayon. Ouais. Déjà. Non, c'est pas là, ça doit être là. Non, là. Ah, là. Ok. Ok. Le petit double qui est. Et on se casse vers le deuxième secteur NJ. Ah non, on était dans un seul temps avant. Oh, je sais plus. Ok. On va arrêter avec les boutiques là un moment.
On se met un message à te faire pour nous, aux armes, aux surprendre, mais marchand aiguille, ça te fait argent et vous. Ok. Ouais, on va vendre. Anti-drone et ça. Attendez, j'ai pas tout vu. Camoufle. Ah, c'est cher. Hein. On va réparer la coque. Et puis acheter des conneries. Voilà. Non, mais arrêtez. Détresse et on skie, on se tire, pardon. Détresse et on retournera à la boutique. J'espère que la détresse nous apporte quelque chose. Établir la liaison avec lui. La réponse vous parvient à l'aide. Nos boucliers sont lâchés. Nous allons essayer de protéger juste à l'aide de boucliers. Ah, ouh, 49. Oh là là. Allez. Ok. Ok. Ouh. Bon bah allez, on se tire à la boutique, on va aller rejoindre la sortie. Ça pique ça. Ah là. Les ondes G. Les Zonchi ont juste besoin d'un peu de ferraille pour accomplir des merveilles. La ruche qu'ils ont fondée à cette balise vendent de l'équipement pour s'en procurer. Ah, laser rafale 3. J'ai pas envie de le vendre, ça pourrait peut-être me servir. Tiens, attendez. Si on achète un de puissance et un attaque en plus et qu'on enlève un truc. Ouais! Regardez. Au niveau des armes. Voilà. Il prend combien de temps? Il prend un petit peu plus de temps à s'activer, mais c'est très bien. Limite, j'ai envie de vendre ça. J'ai envie de partir par le haut. Bon, là, on est sur un terrain vague et nul, mais j'ai envie de partir par le haut. Endommagé en réalité de vaisseaux qui sont percutés. Vous recevez de nombreux signaux. Il est difficile de déterminer ce qui se passe. Les deux vaisseaux ont l'RNG. Apparemment, ils n'arrivent pas à se décrocher. Tentez de les aider sans prendre de dégâts. L'un des vaisseaux vous attaque, il se détache de l'autre, et le temps que vous constatez qu'il n'y a pas du tout l'air, il vous attaque, apparemment il a identifié comme étant hostile. Ok. Ah bah là tu vas prendre cher. Voilà, on ralentit les armes. C'est un peu con. Ok, prends ton coup. Ok. Voilà. Au moins, c'est fait. Une fois que le second vous contacte, il vous explique la situation. Apparemment, vous êtes trompé puisque deux vaisseaux utilisaient leurs pièces spéciales pour construire un troisième. Les ONG n'étaient pas véritablement. Mais leur ordinateur de visée n'avait pas. Finissez de s'ajuster, quoi qu'il en soit, ce qui est fait, vous abandonnez et vous rapprochez du vaisseau survivant. Continuez. En fait, on a attaqué des gens parce qu'ils avaient juste un bug. Bon, c'est ce que j'ai compris. Possible sur le vaisseau. Rapprochez automatisé survivant. Allez. Ah, vous parlez avec le jeu concernant, vous permet d'avoir la carte à jour. Il y avait une détresse en bas. Ah, il y a une détresse ici. Ouais, après, voilà. Ouais, non, pas du tout, du coup. J'aurais pas le temps de revenir. J'ai eu le contact avec la station de recherche NG isolée, dont l'équipage a décidé de rester sur place en dépit des risques d'invasion mantis. Les NG vous demandent si vous n'acceptez pas de tester leur technologie expérimentale. Merci. Bon, on fait le petit tour et on se tire. Quand vous demandez de l'aide à une station proche, un programmeur particulier sympathique vous remet un chemin de drone. C'est gentil. Qu'est-ce que je t'offre en échange? L'amour, de la joie et de la bonne humeur. Les NG vous entendent à côté de la balise, mais leurs armes et potions. Continuez. Ils insistent. Ils vont devoir détruire votre vaisseau pour empêcher le virus d'en survivre. Attaquez le vaisseau NG. Qu'ils aillent se faire voir. Nul n'a le droit de menacer votre vaisseau. Allez, ça dégage.
Hop. Voilà, au moins c'est fait ça. Ok, prends-toi ton dégât. Alors, on va taper le... Ah, je sais pas quoi taper là. Ah, attention. Voilà. Ah, mais le laser à coque, c'est génial. Ah, mais tellement de scraps. Vous arrivez à la balise d'Hogwarts, une fois le générateur SPL, vous effectuez un saut pour rejoindre le prochain secteur. Ok. Vous arrivez au centre du marché noir qui vous constate. Nous vivons une expérience si vous êtes. Ah ouais, mais oui, on va vendre des missiles. Clac! Qu'est-ce qu'on s'en fout des missiles? Boost de remplissage. Voilà, l'évasion. Voir l'intérieur du vaisseau ennemi, ça m'intéresse. Auto. Par effectuer des sauts SPL et d'activer quand ils sont. Mieux au système. Moi. Pour l'instant, je vais rien faire. Secteur suivant. Mantis. Ou Mantis. Là, dans une bien triste zone. Ah, il m'incite. Hein. Bon, on fait le vaisseau ennemi et puis on retourne. Bah oui, au réveil. Ah, pour pas sortir. Ah, mais là. Ah, j'aurais aimé quand même faire le détresse avant. Je pense qu'on va faire kish kish kish. On va peut-être partir à la boutique puis revenir après. On verra. Donc, déjà la boutique. Les rebelles sont déjà sur vous. L'équipage se prépare à la PAC, mais là, le capteur détecte que les yeux de rebelles n'ont pas des hommes qui est valable. Un marcheur de ferraille. Oh. Me saouler là. Anti-bouclier Zoltan. Permet au contrôle mental et à la téléportation de bombes ou d'hommes d'équipage de franchir un super bouclier. Permet vers n'importe quelle base à laquelle il s'est déjà rendu. Non. Déjà. Missile requis. Ok, page 2. Laser coque. Ah, laser rafale 1. Ah, le laser n'est pas particulièrement bon, mais il fait son job. Alors, vous savez quoi? Déjà ça, on retourne ici. Contrôle des drones. Ouais, non. Ah, il est nul. Cette boutique est nulle. Détresse, puis on revient. Vas-y, détresse, puis on revient. Ah non, 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 j'ai pas envie de la perdre. Ah ouais, j'ai pas envie de perdre. Ça régnait mon cul là. Tenter de recevoir de l'équipage. Vous croisez un vaisseau de Mantis. Le capitaine n'est pas censé au fil des années. Dont le capitaine. Le voleur légendaire. J'ai peur qu'il. Je perde mon Mantis. Ah. Le monde d'équipage Mantis et Carabineux se lance dans une sorte d'étrange. Donc profitez-vous pour activer vos systèmes de combat. Ah putain, il a de la coque. Hein. Ouais, je pense qu'on va mettre le reste dans la coque. Voilà. Voilà, un petit dernier coup dans les armes. Puis là. Voilà. Putain, il recharge vite, hein. Ok, c'est bon, il crève. Moi, j'ai rien perdu. Quiche. Plus de problème avec la mort. Ok, le vaisseau rebelle s'avance pour vous découvrir qu'il s'agit d'un appareil piloté par une intelligence inutile, donc d'essayer de parlementer. Le vaisseau commence à activer son. Il va tenter de s'échapper.
Putain, il a une double coque. Ok, j'ai tout loupé. Tout foutre dans le pilotage. Ok. Ça, c'est mort. Mais après, je vais rien prendre là. Ok, non, 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 non. Ok. On va remettre des tirs dans le là. Voilà. Puis là. C'est juste un gars et un laser, hein. Je vais rien prendre. Je vais pas mourir, t'inquiète. Ah, on est passé expert en armes. Merci pour les scraps. Les coordonnées de la balise indiquent qu'elle se trouve à côté d'un soleil. Non. Pulsar électromagnétique, non. On s'en fout du pulsar électro. Vous arrivez à poser leur carré proche d'un pulsar, mais le vaisseau rebelle apparaît son tour. On dirait qu'il va devoir se battre. Bon. J'ai même envie de te dire. Ok. Aïe. Petit bâtard. Allez réparer ça. Ok. Là, il vient de prendre son sale coup. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Retournez à vos postes. Non. Voilà. Ouh. Merci. Vite. Ok. C'est good. Vous arrivez? Prochain malice donc. Oui. Attaquez. Attends de voir prochainement aussi. Attaquons les rebelles. Bah, c'est une nécessité de les attaquer maintenant. On lui a mis son petit. Aïe! On lui a mis son petit dégât. Péter le bouclier. Plus d'oxygène, va falloir que tu répares vite. De toute façon, il me touche pas, hein. Un triple bouclier. Bam! Oh merde. Oh, j'aurais pu tirer à temps. Voilà. Ah. Bah oui, non mais ça c'est casse-cou. Laissez-les tranquille. J'aime bien les civils, moi j'ai pas envie de. Ok, retournez à vos postes. Voilà. Et on remet dans l'oxygène. Et boutique, puis on revient. C'est le mieux à faire. Alors que vous approchez un vaisseau de marchandises Mantis. Oui, bon, c'est la boutique quoi. Les dégâts subis par Wickash en cas de manque d'oxygène seraient une moitié. Non, recharge rapide. Et générateur, le premier du vaisseau se recharge. Ouais, je m'en fous un peu. On répare. On achète des seaux. On achète un membre d'équipage. Mantis, Mantis ou Mantis? On s'en fout en fait. On va prendre la recharge du vaisseau du coup. C'est pas le meilleur truc, mais au pire on pourra le revendre après. Ça peut nous servir là. Secteur suivant. Sous secteur civil, du coup, on va aller. On commence dans une belle nébuleuse. Allons voir la carte. Mal foutu comme carte, hein. Ok, bon. Non. Concrétion cache pas. Ouais, non, on va pas acheter une arme aléatoire. Ah, oula, oula. Ça a lagué. C'est good.
Ah, ça fait pas de dégâts. Si, ouais, ça fait des dégâts à la coque. Va travailler. Ok. Ah, on s'en fout des soins. Oh non, ça crame. Ok. Aïe. Ça crame toujours dans... Vas-y, va aider. Oh, ça fait laguer le truc. On retourne à ses places. Ah, j'ai un lag. Ah, il est violent, lui. Ok. Oh, j'aurais dû tout mettre dans les armes là. Il faut que je tire en même temps. Ouais, j'ai toujours plus d'oxygène, t'inquiète. Voilà, prends ton tarif. Ok, bon. Ça commence à être vachement chiant. Ok. Oui. Vous tous. Ah. Allez là-dessus, vous. Toi aussi. Attention au moteur, c'est pas grave. On répare les oxygènes, on ouvre les portes. Ok, on va réparer ça. Ouais, je sais bien. Ah bah ouais. Allez, vite. Allez, vite. Oh, j'ai tout perdu. Guéri. Oh là là, oh cette violence. Oh mais merde. Ah, Squeezie, il reste plus Squeezie dans le game. On va réparer ça. Ah ben là, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir acheter des hommes d'équipe au prochain shop. Ok. À ma rentrée, t'étais où? Ok, et du coup, ça. Permet de monter plus vite, je sais pas. Non, pas une détresse. Je voulais pas une détresse. Non. Vous préparez à... Non, ignorez le vaisseau. Oui, boutique. Ok. Et bon, on s'en sort très bien. Continuez à vendre, j'ai plus rien à vendre. Page 2. Ok. Ok. Alors, Adam, tu vas aller là. Toi, tu vas aller aux armes. Et toi, tu vas aller au bouclier. Ok, on a racheté tout le monde. So. Alors, donc ça sera les nouveaux youtubeurs. Voilà. Alors, des nouveaux. Ah, bah, c'est les nouveaux youtubeurs, hein, je suis désolé. Ah, c'est pas de ma faute. Eh, le poste sauvegardé. Ok, c'est good. Oh, champ d'astéroïdes, on se bat les couilles, on a un triple bouclier. Faire vol face et combattre. Vaisseau piraté, tenter dans le champ de... Il manœuvre immédiatement pour vous attaquer. Oh, le bâtard. Oula! Qu'est-ce que j'attaque? Qu'est-ce que j'attaque?
Ok. Ici, toi va réparer. C'est rien, c'est rien. Allô, 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 allô. Oui, désolé. Allô, ouais. Non. On s'en fout. Mais qu'est-ce qui me tape là? Ok. Merci. Oh, il lui restait combien? 5 PV. Oh, ok. Ouh. Avec le pourcentage de scraps là, c'est j'ai quasiment rentabilisé le truc. Toi t'es déjà, toi tu vas réparer ça s'il te plaît. Mais t'es déjà bien en armes et toi t'es déjà bien. Mais Karim c'est déjà un bon réparateur de base. On va te mettre toi en armes et toi Mauno. Mauno t'étais aussi bien en armes. Bon on va te laisser en shield. Donc on va mettre les trucs comme ça. Ah mais ouais. Ok. On va partir par là. C'est vrai que j'ai pris des sales coups là. Dès votre arrivée, vous voyez des rayons laser en provenance de l'autre côté de la balise. Il semble que quelqu'un est en train de se faire attaquer par. Vous portez secours. Ok. Vous cassez les couilles. Il me touchera pas. On nous va réparer. Ok. Toi va réparer. Toi reste ici. C'est rien. Petit bâtard. On retourne à ses places. Ok. 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 Ah, ok, c'est rien. Oh contactez le vaisseau si je me coltéré par 5 points. Ah, il met bien. Ah, je te jure, il met bien. Dites quand vous êtes guéri, on va aller hop hop. Il sera toujours statique, voilà, dans le shield. Ok. Peut-être allouer un autre point. Toujours statique là-dedans. Ah, ils deviennent plus durs, hein. Ils deviennent coriaces, les gars. Réparer pour 20 points. Ah bah ouais. Ah bah si on a l'occasion de se remettre sous lui, je dis pas non. Vous repérez un petit vaisseau rebelle, non, hein, il semble avoir été modifié pour transporter les matériaux plutôt que pour combattre. Il n'a pas l'air d'exiger de remettre sa cargaison. On va récupérer sa cargaison. Il semble pas vouloir se battre, il tente de fuir. Bah ouais. Logique. Toi va là. Toi va aider. Ouais bah je me suis dit ça aussi. Ok lui aussi il a un laser nu. Ok toi voilà. Vous deux allez là. Ok. Il a pris cher dans sa gueule. C'est rien. Bon bah voilà, il a plus d'armes. T'es sérieux, mec? En espérant qu'ils ont plus de vie avant moi. Ok.
On a eu un guerrier, repère. Voir la gueule du machin, repère. Ah, c'est un guerrier. Et bah, Rupert, tu vas aux portes. Qui est mon réparateur? Carlito, Carlito. Carlito, tu vas aux portes, tu seras mon réparateur. Donc, Carlito, aux portes. Qui est au pilote? C'est Squeezie. C'est toi, Squeezie? Ouais, Squeezie, tu vas ici. Mauno. Ouais, Mauno, tu restes au shield. Et posé, tu restes aux armes. Donc on va mettre ce nouveau Roper ici, vu que j'ai personne ici. Voilà. Ok. Ah. On passe quand même un bon moment là. On se fait des frais la gueule, mais... Acheté pour 39 zem. On va attaquer ces pourritures d'esclavagistes. Bon, il va tirer deux petits coups. Aïe. Ok. Ok. Ah, mais comment ça pénétrer la coque, ça? Ça s'abusait, ça. Ok. On retourne à ses positions. Ça passe pas. On récupère notre troisième coque. Banque. Ouais, non, je veux des scraps. Passez-moi des scraps. Allez, crève. Qui a plus de vie, toi? Oh, merci pour ces 73 craps. Et toi, vous y allez. Ok, on guérit, on guérit, on guérit. Et on se casse sur un petit secteur civil. Ok, ça fait plaisir. Le petit secteur civil. Ah, mais oh! Ma souris, elle a du mal. Hein. Et ben voilà, petite boutique. Ok, vous êtes concerné, blablabla. Recharge rapide, puis tous les objets qui peuvent se trouver dans une salle visée par la puissance de piratage sont étourdis et. Dégâts subis par l'oxygène. Ah, c'est vrai que ça nous a. Ça aurait pu nous servir. Réparateur de système, on dégage. Ah, un laser rafale 1. Laser lourd 1. Ah, ça remplace un laser 1. Et rayon pic. Puissance de requis. Je crois qu'on va acheter un laser roux. Et warfare. Ouais, c'est la même chose. Tir par charge 1, dégâts, il fait juste un dégât de plus et il est 9 secondes plus rapide. Ok. Donc on retourne en boutique. On va vendre toi. On va retourner à page 1. On n'a rien d'autre à acheter ici. Ok. On va aller là. Et puis on remontera. On s'en fout de la nébuleuse. Bon, c'est une transmission, je suis désolé, mais y a rien de voir passer, mais c'est aux ordres. L'équipage du vélo active ses armes. C'est pas contre toi, mais on va te décruter. Ok, bon, on va tout charger tranquillou. C'est juste un laser et pipi. Ok. Ok, en fait, y a rien qui est passé. Oui, bah attendez, on va tirer en même temps.
toute façon, il nous touche rarement. Donc, pause, on va faire un. 1, 2, 3, 4. Ok. Ouais, vous me saoulez là. Façon, aussi, il tire ses deux tirs constamment comme ça. 3. Voilà! On a ralenti ses armes. Si c'est juste un laser et tout, bon. On peut jouer en pause en fait, c'est vrai, je me suis pas rendu compte. Et là, tu donnes 70 scraps, hein. Non, tu peux donner plus quand même. Et il peut donner plus, non? Ah, attends, faut vachement longtemps. 1, 2, 3. Non. Oh, la connerie. C'est vrai qu'il tentait de s'enfuir, ce con. Il n'y a qu'un seul vaisseau de cette balise, il est sévèrement dégagé. Vous recevrez un message sur votre ordinateur. Bonjour voyageur, nous avons été attaqués par une bande de pirates. Et sommes maintenant en obligation de vendre de l'équipage de l'avion fabriqué à Paris. Fin de concession. Aïe. Bon, page 2. Batterie de secours. 30 secondes améliorée là pour la croix. Ah. Ok. Activer la batterie de secours pour donner une barre de puissance supplémentaire pour le réacteur. Ça peut servir en fait, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, bon, il y a quand même une petite chance que ça serve un jour. Tiens, ça lag. Bizarre tout ça. C'est pas censé laguer. Alors, vous découvrez l'un des vaisseaux de reconnaissance autonome de rebelles piloté par une ingénieure sur. Bon, on va l'attaquer. Hein. Ok, déjà il m'a bloqué ça, c'est pas grave. On va taper les armes. Ok. Ok. On va recharger, on va mettre pause et puis on va cliquer. Comme d'hab. Ça c'est chaud ça. Oh mais le laser je dois le faire après, espèce de con. Non arrête. On va réparer ça. Ok, une, deux, trois. Ok. Oui, on prend quelques petits dégâts. Attendez. On peut faire mieux, non, quand même. Oh, mais il a tout dodge. On va taper le pilote, hein. On va taper le pilotage. Ok. Alors ça, c'était ça, le dernier. Ok. On peut pas faire. Ok. 27% de chance d'esquive. Évasion. Ok, c'est good. Et l'autre il répare sa petite sécurité. Et puis c'est good. Allez, chacun retourne à son poste. Et on saute. Ah, ouais, je peux faire lui. Tournez à combien de temps? 50 minutes. Eh bien, on passe un bon moment. Lorsque vous arrivez dans le système, un vaisseau pirate s'avance, refusant toute commission que vous arrivez à combattre. Trois shields. Toi aussi. C'est rien. Ok. Espèce de con. On s'est failli. On retourne à ses places.
1, 2, 3. Ok, on a tout niqué. On nique tout, nous. Allez, des crames. Il a résisté. Il avait écrit résister. Ok, on libère. Il va réparer tranquillement. Il tente de fuir. On n'accepte pas. De toute façon, on a attaqué le pilote constamment là. Notre réparateur en chef. Ouais. Ok, bon, il était fini. Ok. Carlito, non, tu vas pas retourner à ta place. On va se faire soigner. Ok. Carlito, tu retournes à ta place. Tout le monde retourne à sa place. On va faire soigner Squeezie. Ah oui, putain, merde, on n'a pas honoré Roper. Ouais, bon, ils sont pas à côté, mais bon. Allez, on les guérit. Et c'est cool. On n'a pas envoyé Squeezie, mais putain. Ok, McFly et... C'est vrai que Carlito, il est loin. Allez, il faudrait qu'on rachète de la coque. Ah, il y a un détresse, je sais plus où on pourra revenir. Oui, on aura le temps de revenir, on va faire juste le détresse là, tranquillou. Promettre de les aider. Réfléchissez aux options. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est mis très bien. Allez, on se retire. On s'est mis trop bien. J'ai pas lu, mais Skip, on s'est mis bien, donc tant mieux. Allez, petit endroit à explorer. Vous détectez un vaisseau rebelle automatisé. Bon, on va attaquer. Ah, il a des capteurs. Oula! Oh le con. Oh le... Oh! Oh toi là, va dessus. Toi, vas-y vite. Toi, vas-y vite. Oh, je me suis. Ok. Je sais pas ce qui se passait. Tiens, vas-y, prends. Oh. On a perdu Hugo posé. Je sais pas, toi, reviens là. Tout cas, Squeezie est toujours là. Hein. Réparateur en chef, Carlito. Carlito, il répare. Hein. Bon, c'est un bon réparateur. Allez, Mahudo est bientôt en shield. Hein. Et Squeezie, meilleur pilote du monde. Ok. Alors. Va falloir en mettre qu'un seul. Je crois qu'on va mettre. Et puis un dans les. Ok. Ok. 32 points en plus pour améliorer d'autres systèmes au pire. C'est good. On va aller dans un secteur Zoltan et puis on finira la game, hein, au bout d'une petite heure, hein, 54 minutes on est. Vous avez pénétré au territoire Zoltan, cette espèce n'a réputé pour donner quoi que ce soit à rien, mais vous avez toujours le droit à une équitable audience. Voilà, j'ai envie de passer par la nébuleuse en haut. J'espère de choper un chop pour réparer ma coque. Vaisseau rebelle s'approche prudemment, son capitaine vous contacte, si vous tenez près de moi, je resterai fidèle de la Fédération.
Je le guerrier croit perdre raison. Préparez vos boucliers. Oh. Pas un peu casse-couille, toi? T'es pas un peu chiant? Ça passera pas, ça passera pas. Ok. Ok. On s'en fout, on va refermer les portes. Putain, oui, on a plus de portes. Les réparer vite. C'est rien. Ok, je crois qu'il y en a un qui a passé le level. Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai perdu mon gars des armes. Faut que j'en mette un aux armes. Quoi? Oh. Oh. C'est peut-être trop mis dans la coque. C'est mon rouge que... Enfin. Bon. Bah voilà, c'était FTL, une petite partie tranquille. On s'est bien amusé. Bon, aussi, c'était rigolo. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. C'était bien rigolo.